Bonjour, chers élèves de CE1, deuxième année primaire. Je vous présente l'arbre Homo, qui est l'activité. Alors aujourd'hui, on va voir les exercices à corriger ensemble. D'accord? Allons-y. Bonjour. Alors cette fois, c'est orthographe. Vous pouvez consulter votre manuel, page 13. Alors cette fois, c'est la lettre O. Prenez s'il vous plaît l'arbre. Cahier d'activité. Ouvrez à la page... Voilà, 7. Non, c'est 8. Non, c'est 6. Voilà. Orthographe, la lettre O, page 6. La lettre O transcrit le son OU quand elle est suivie de la lettre U. Par exemple, un jour. La bouche. Un jour. La bouche. La lettre O transcrit le son OA quand elle est suivie de la lettre I comme un soir. Une toile peut transcrire le son O quand elle est suivie de la lettre N ou de la lettre M. Une leçon, le nombre. Je répète encore fois. La lettre O transcrit le son OU quand elle est suivie de la lettre U. Un jour, la bouche. Transcrit le son wa quand elle est suivie de la lettre i, comme l'exemple de un soir, une toile. La lettre o peut transcrire le son o quand elle est suivie de la lettre n ou de la lettre m. Ils le sont, le nombre. D'accord? Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Relis chaque mot à l'étiquette qui convient. Je comprends d'abord l'étiquette. Je vois O et j'entends O. Je vois O et je n'entends pas O. Par exemple, un stylo, c'est ici. Une ardoise, c'est ici. Un crayon, c'est ici. D'accord? Un stylo, par exemple, là. Une ardoise, voilà. Un crayon, voilà. Un pot, voilà. Et ainsi de suite pour les autres. Alors, un stylo, une ardoise, un crayon, un pot, bravo, la trousse, zéro, un domino, le campin, il joue. Alors, si vous voyez la lettre O et vous entendez la lettre O, si vous voyez la lettre O et vous n'entendez pas le son O, relis chaque syllabe par... Alors, relis chaque syllabe pour écrire huit mots. Par exemple, ici, photo. Ah, par exemple, ici, poire. Poire. Poupée. Melon. Vélo. Ah. Bonbon. Voiture. Voile, voile, voilà. Loup, 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 loup. Louche, louche, louche. Tu vois? Alors, répète, photo. Poire, poupée, melon, vélo. Bonbon, voile, louche, louche, hein, louche, photo, poire, poupée, melon, vélo, bonbon, voile, louche. Alors complète les mots par O ou bien OU. Par exemple, une école. À vous de faire la dictée, soit O, soit OU. Hein, une école, hein, c'est facile. Une moto. Une toupée.
Une toupie, de fromage. La cour, une route, une momie, une poterie. Alors, une école, une moto, une toupie, du fromage, la cour, une route, une momie, une poterie. Alors, complète le mot par oie ou on. Le garçon, c'est on. La leçon, du poivre, une armoire, c'est oie. La récréation, une étoile, le talon, le menton. 5. Trouve la réponse à chaque devinette. Tous les mots contiennent la lettre O qui se prononce O. C'est le contraire de maigre, gros. Il est écrit sur le maillot du joueur de football ou de rugby. Bien sûr, c'est 0. On prend une cuillerée de ce médicament lorsqu'on en tousse. C'est le sirop. C'est un fruit à noyau de couleur orange que l'on mange en été. Abricot. Abricot. Sirop. Zéro. Gros. Gros. Zéro. Sirop. Abricot. Voilà, c'est tout pour le moment. À la prochaine.